Ok. Il y a pas de flash? Ben, ça doit être correct. Je... Oui, c'est ça, comme tu me disais. Oui, mais c'est ça. Elle a fait son bœuf bourguignon, imagine-toi donc, avec du vin blanc. Ah, ben. Ouais. Ben, c'est, l'histoire, c'est que d'habitude, ça se fait avec un vin rouge. Un bon petit pinot noir, là. Ça rajoute un petit côté sucré, là. Ben, tu dois avoir raison. Je bois pas de vin. Ah, non, mais c'est pas ça l'important. Ça mijote, puis c'est juste pour rajouter un petit peu de goût, là. OK, ça va être une minute. Bon, les gars, là, c'est déjà pour le spectacle, ça va être important. OK, on y a pas. OK, on est beau, on est propre, on est drôle, puis on va chercher le public. Ça va être cool, là. Ça va être cool. Juste avant, des petits questionnements? Non, ça va. Non, non. Parfait. Ben, bonjour. Hey! Faut un petit cri de guerre avant pour ce. Orson Welles! Orson Welles! Orson Welles! Vous êtes beau. Ah, c'est génial. Terme. Bon. Ah, shit, ça a fini. Bonsoir, tout le monde! Et bienvenue à cette 44e finale locale de Cégep en spectacle. Avant de commencer la soirée, laissez-moi simplement vous présenter vos animateurs, Zachary Beaulieu, Laurent Hamelin et Noah Cadieux! Yes! Woo! Bonsoir tout le monde, bonsoir! 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 Bonsoir tout le monde, j'espère que... Zach... J'aurais peut-être un petit questionnement, finalement. C'est quoi? Ça peut t'attendre, c'est comme pas le temps, là. Oui, c'est bon, c'est bon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va vraiment passer... Zach, je m'excuse, mais ça peut vraiment pas attendre, là. C'est quoi? Admettons que je te faisais un petit bœuf bourguignon, là. Le préférerais-tu avec du vin blanc ou du vin rouge? Je le sais pas, Laurent, c'est pas le temps. Décroche avec ça. Ah, je veux juste en apprendre sur tes goûts personnels, là. C'est tout. Bon, au nom de tous les artistes qui ont aidé à élaborer cette soirée, juste je voudrais vous dire un grand merci d'être venu nous voir, puis ça va vraiment être une belle soirée, un bon spectacle. On tient d'ailleurs à remercier quelqu'un de tout particulier. On tient à souligner la présence exceptionnelle avec nous ce soir de Monsieur Pierre Deschênes. C'est qui Pierre Deschênes, hein? Ah, je le sais pas. Ouais, non, j'ai pris son nom avant le spectacle pendant le cocktail, parce que je voulais qu'il se sente spécial. Mais les gars, ça me permet d'amener le thème de la soirée. L'amour. Ah, effectivement, l'amour, parce qu'on le sait, hein, les dernières années n'ont pas été faciles avec la pandémie, la guerre... L'annulation de l'Halloween 2019... C'est pour ça qu'on va passer une belle soirée remplie d'amour, de bonté et d'harmonie. D'ailleurs, on va inviter Mme Nathalie Houle, directrice des affaires étudiantes et communications, à venir nous livrer un message d'espoir. Hey, c'est qui, Nathalie Houle? Non. Bonsoir tout le monde. Alors, à mon nom personnel... Au nom de la Direction des affaires étudiantes et des communications, ainsi qu'au nom de tout le personnel du Cégep de Shawinigan, je tiens à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans notre magnifique salle de spectacle qui va vibrer ce soir au rythme de jeunes artistes issus de la relève. Le Cégep encourage les initiatives qui permettent le rayonnement de la culture et c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici ce soir et d'assister à ce spectacle qui promet d'être très divertissant. Divertissant, oui, mais je dirais aussi très varié, puisque plusieurs étudiants ont répondu présents à l'appel de la scène pour cette nouvelle édition de Cégep en spectacle. Je tiens d'ailleurs à les féliciter ces artistes, puisqu'il faut une bonne dose de courage et d'audace pour se présenter sur les planches et repousser ses limites personnelles. Je les remercie chaleureusement de bien vouloir partager avec nous tous leur talent, leur passion et leur
amour de la scène. Avant de vous quitter et laisser place au spectacle, j'aimerais remercier toutes les personnes qui accompagnent nos jeunes artistes et qui rendent cette soirée possible. Je pense, évidemment, à nos généreux commanditaires, mais aussi à notre technicien en loisirs, Simon Cormier, qui ne ménage aucun effort afin d'assurer la qualité de cet événement. Merci, Simon. J'aimerais aussi remercier notre équipe d'étudiants bénévoles à l'animation, à l'accueil et à la technique, ainsi que nos juges qui ont accepté notre invitation. Enfin, merci à vous, cher public, chers parents, chers amis, d'être avec nous ce soir et de permettre à nos artistes de briller de plein feu. Je terminerai en vous laissant avec ce fameux message d'espoir. L'amour, c'est plus d'art dans nos cégeps et dans nos vies. Merci, bonne soirée, bon spectacle. Merci beaucoup, Madame Hull. Merci. Merci. Zach, savais-tu que Cégep en spectacle est le plus important concours francophone des arts de la scène du milieu collégial québécois? Chaque année, plusieurs artistes de la relève provenant de 63 collèges présentent des numéros de danse, de chant, de musique, de théâtre, d'art oratoire, d'humour et des arts du cirque. Cet événement a pour objectif de promouvoir les arts de la scène, l'usage de la langue française et des langues autochtones, et d'offrir la possibilité aux étudiants collégiaux de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Ah ben, je savais pas. Es-tu impressionné? Mais quand même, là, 63 collèges, c'est pas rien. Non, mais par moi, que je connaisse ça. Full impressionné. Ouais, ben moi, Laura, je suis un peu déçu, là. Tu m'as volé mon carton, c'est moi qui l'ai mis au protocole. Hein? De quoi tu parles? Oui, ben moi, je suis l'animateur protocolaire. C'est moi qui lis les cartons, habituellement. Check bien. Sans plus attendre, débutons cette soirée avec le premier numéro. Elle est étudiante en technique d'éducation à l'enfance et nous offre un numéro de chant catégorie interprétation. Selon elle, pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de psychologues. Veuillez accueillir chaleureusement Catherine Dufresne! La force que l'on perçoit et la fragilité en moi, de mes certitudes à mes doutes, dans mes impasses et sur ma route, je cherche l'équilibre précaire où tout ce qui vibre me rend fier, loin de mes tremblements de terre, pour que mon ciel s'éclaire. Il y a un chemin entre tout et rien, au juste milieu, au juste milieu, je resterai quand même la femme qui t'aime et celle que tu aimes, au juste milieu, mais pas au mépris de celle que je suis, pour une vie plus sereine et même peut-être de la tienne et la mienne, au juste milieu. Le nous et l'égoïsme, de nos vertiges aux réalismes, entre les fous rires et les peines, se laisser un peu d'oxygène, entre fusion et liberté, de la passion à la durée, ou bien à son mal nécessaire, mêler la confiance au mystère. Je ne veux pas mentir, tu le sais. T'ouvrir mon jardin secret, c'est malgré moi donner la clé qui peut nous enfermer. Il y a un chemin entre tout et rien, au juste milieu, au juste milieu, je resterai quand même la femme qui t'aime et celle que tu aimes, au juste milieu, mais pas
mépris de celle que je suis. Pour une vie plus sereine et même peut-être de la tienne et la mienne. Au juste milieu. Et le temps passe et moi j'apprends. Je trouve ma place où je t'attends. Je me sens reine où j'ai le blues. Parfois lointaine, parfois jalouse. Et si tu t'en fous ou si tu m'en veux, moi j'aimerais mieux un juste milieu. Il y a un chemin entre tout et rien, au juste milieu. Au juste milieu, je resterai quand même la femme qui t'aime et celle que tu aimes. Au juste milieu, mais pas au mépris de celle que je suis. Pour une vie plus sereine et même peut-être de la tienne et la mienne. Au juste milieu. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais dans un couple, c'est pas toujours facile de rester soi-même. C'est difficile de trouver un équilibre entre le « je » et le « nous ». Puis des fois, on a tendance à tellement s'investir dans le « nous » qu'on se perd un peu nous-mêmes. Puis si jamais nos chemins se séparent et qu'on se quitte, on peut avoir l'impression que il nous reste plus rien. Mais il ne faut pas oublier qu'il va toujours nous rester le jeu. J'ai rêvé un jour de tout avoir vu. De chanter l'amour, de danser pieds nus. J'ai gagné bien du temps, j'ai aussi perdu. Les amours trop lourds sur le banc des rues. Parfois je vois les rires, mais je ne les entends pas. J'ai du mal à dire ce qui est à moi. Le cœur m'inspire, le ciel s'ouvre enfin, rien n'est impossible, j'attends ce lendemain. Souvent trouvé quand je ne cherchais pas. J'ai souvent cherché ce que j'avais déjà. J'ai encore des idées pour changer le monde. Du moins pour briller pendant quelques secondes. Parfois je vois les rires mais je ne les entends pas. J'ai du mal à dire ce qui est à moi, quand le cœur m'inspire, le ciel s'ouvre enfin, rien n'est impossible, j'attends ce lendemain. Il me reste, il me reste.
couleur, ma lumière, mon rêve à moi. C'était Catherine Dufresne. Notre prochaine artiste fait un tremplin deck et nous propose un numéro de musique, catégorie interprétation. Pour un monde avec plus d'amour, il croit qu'il faudrait plus de distorsion. Oui. Une bonne main d'applaudissements pour Félix Dubé. Merci Noah, c'est bien gentil de ta part de m'avoir présenté. Comme il a dit, je m'appelle Félix Dubé, je fais un tremplin deck. Comme on dit une première fois à tous, c'est la première fois que je m'adresse à un public avec ma voix et non avec mes doigts, c'est vraiment bizarre. Dans le fond, c'est ça, pour un monde avec plus d'amour, plus de distorsion, ça il l'avait dit. Je vous décide de présenter une chanson qui me définit bien, ça va à 100 000 à l'heure comme moi. Ça s'appelle « Mon univers flou ». J'ai compté les notes, j'ai arrêté de compter à 2500. Si vous voulez compter à juste que plus, je serais pas fâché si vous arrêtez avant, mais ça se peut vous décourager. Aussi, autre petite chose, maman, pipa, France et Tommy, pour les intimes, vous m'avez toujours dit, quoi de tes 10 doigts? Le dimanche le 27, là, vous allez vraiment me dire, fais donc quoi de tes 10 doigts. Merci! We'll be right back.
Félix Dubé. Le numéro suivant est un numéro de musique, catégorie mixte. Ce participant étudie en sciences humaines et pense que pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus d'entraide. Voici Jérémy Galland. Oh! Aventurier, je t'attendais. Bienvenue dans le monde des ruines. Un monde plein de monstres, juste en dessous du vôtre, un peu comme un univers parallèle. Aventurier, je le sais que tu veux retourner dans ton monde, mais comme il est marqué ici... Le papier est un peu vieux, fait que... Seul un héros au cœur pur pourra vaincre en combat singulier le roi et la reine de ce monde et sortir. En parlant de la reine, elle est... Non, non. Ça, ça peut être une reine dans ton monde avec une belle robe comme Peach dans Mario Bros, mais dans le monde des ruines, les reines sont très laides, ont... des cornes et sont surpuissantes. Mais j'espère qu'ensemble, aventurier, on pourra la vaincre.
aventurier. Je savais pas que tu te battais aussi bien. Mais le pire reste à venir. Viens avec moi. On va aller dans le palais du roi. Imposant de sa grandeur, de sa posture, de sa carrure. Je ne sais pas, aventurier, si on va réussir à le vaincre. Car le roi a une haine profonde envers tous les humains. J'espère qu'on peut s'entraider assez pour le vaincre. Nous avons réussi, aventurier. Il est temps de lâcher les armes et de repartir dans ton monde. Merci pour cet incroyable voyage. J'ai une autre part, inquiétez-vous pas. Thank you.
Merci, Jaoui! C'était Jérémy Galland! Ah. C'est beau d'entendre tout ça, hein, ces applaudissements-là, ces encouragements-là. Ça donne vraiment de l'amour. Mais est-ce qu'ils vont être obligés d'applaudir? T'sais, admettons qu'il y a un numéro qui n'est pas super bon. Là. Ben voyons, tu le sais qu'on a plein de talent à Chaoui, là. D'ailleurs, parlant de talent, on est 57 cégeps à tenir des finales locales cette année. Il y a près de 3000 étudiants qui participent à cet événement, soit comme artistes, à la technique ou comme organisateurs. Cégep en spectacle a d'ailleurs permis de lancer la carrière de plusieurs artistes québécois, comme Ariane Moffat, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe, Vincent Vallière et Émile Bilodeau. Puis de toute façon, on a vu les répètes, on le sait qu'il n'y a personne qui est poche, là. Oui, non, c'est sûr qu'il n'y a personne qui est poche, Zach, mais mettons qu'on a un de nos artistes là, qui décide de pas faire le numéro qu'il a fait, tu sais. Puis à la place, il nous récite Speak White sur un très gros ballon, hein. En même temps, manger un poulpe vivant! Il y a personne qui va faire ça, Noah. Moi, je l'aurais fait. Mais c'est pour ça que toi, t'es au protocole. Zach, j'aurais un autre questionnement. Bon, c'est quoi, tu vas me demander? Si je préfère les roses ou les tulipes? Non. C'était vraiment une question, là, par rapport... Quoique... Non. Préférerais-tu... Non. Non. C'est quoi ton questionnement? Bon. Et depuis le début, on parle de concours. Mais c'est quoi le concours? Laurent, t'as lu tantôt ton carton sur ce Cégep en spectacle? Oh oui, je l'ai lu, là. J'ai pas tout compris. Pour vrai, les gars, une chance que vous m'avez pour lire les cartons. Dans chacune des 57 finales locales se déroulant partout au Québec, un jury composé de personnes issues du milieu culturel de la région se rassemble pour évaluer les numéros. En plus de déterminer plusieurs prix et bourses, le jury choisira un numéro gagnant qui se qualifiera pour la finale régionale qui se tiendra ici même au Cégep de Shawinigan le 25 mars 2023. Les finales régionales auront lieu dans chacune des 5 grandes circonscriptions du Québec. Un collège hôte produit alors un spectacle regroupant les lauréats des finales locales. Un nouveau jury détermine alors 2 numéros ex-aequo qui participeront à la grande finale nationale le 29 avril au Cégep régional de la Nausière à Terrebonne. C'est vraiment cool ça. Je pourrais-tu gagner, mettons? Ben, t'as-tu un numéro? Non. Ben non. Mais là... Mais Laurent, par contre, quelqu'un qui peut gagner... Le prochain participant étudie en arts et lettres. Il nous présente un numéro de chant et musique dans la catégorie interprétation. Pour un monde avec plus d'amour, il croit qu'il faudrait plus de films Marvel. Accueillons Christopher Martin. T'entends des parcs de Montréal, des enfants jouent avec des sphères. Caché dans l'ombre du Mont-Royal, la petite Rosalie dit qu'à soir, c'est elle la reine. Au centre-ville, juste à côté, elle cherche un peu de bonheur, mais elle n'a jamais le temps d'en trouver, parce que son film est toujours à l'heure. Encore une grosse nuit passée dans des trous miteux, à se faire pogner le cul par des espèces d'obsédés qui ont l'air bien correct quand t'es croisé en rue. Le matin, quand elle se réveille, a besoin de sa seringue pour payer des merveilles. A vu juste un petit coin de paradis avant qu'elle vienne l'enfer en même temps que la nuit. Ouais, mais ça va bien. Ouais, ça va bien. Ouais. La petite Rosalie, elle va mourir gelée, étendue au coin d'une rue, comme sa meilleure amie Daphné, disparue depuis le mois passé. Non, mais tu parles d'une société qui se pète les bretelles, disant évoluer. Puis pendant qu'on se berce dans nos petits chez nous, y'a des filles de 15 ans qui gagnent leur vie à genoux. Ouais, mais ça va bien. Ouais, ça va bien, ouais, ouais. Y
Que Gaétan qui vit sous le pont du chemin de fer. Y'a rien à manger, mais y'a quelque chose à boire. Qui pour s'endormir et se lance ses doigts gelés. La photo de son gars qui veut plus lui parler. Qui jour il se promène avec son infortune. Ses sacs de plastique pis sa vieille valise brune. Dans laquelle il garde une corde bien tressée. Pour se pendre le soir, il pourra plus te faire. Ouais, mais ça va bien. Ouais, ça va bien, ouais, ouais. J'garde bien les mains dans mes poches. Tout est bien serré sous ta sacoche. Ah, mais ça va bien. Ouais, ça va bien, ouais. C'est se demander si qu'il est vrai l'ose. Si c'est les chunks, les putes ou les quêteux. Ou si ce serait pas un peu nous autres qui sommons les yeux disant que c'est pas de notre faute. Non! J'continue pas me sentir conservé. Le prix de ma conscience est pas trop élevé. Un petit vin sincère dans le canis d'un quête. Non mais j'suis bon, j'suis fin, oui, j'suis généreux. Ouais mais ça va bien. Ça va bien, ouais, ouais. Jusqu'au jour où c'est rendu ta fille qui paye dans ta sacoche pour payer ses aiguilles. Ouais mais ça va bien. Ouais ça va bien, ouais. Applaudissons Christopher Martin. Notre prochain participant suit une formation en développement de logiciels et nous offre un numéro de chant et musique catégorie mixte. Selon lui, pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de temps. Voici Éric Lessard. Il y a environ un mois, dans ma tête. Aller à l'épicerie, aller mettre du gaz dans le chat, changer la litière du chat. Cerveau. Qu'est-ce que tu veux? Je t'occupe, là. Ben, c'est parce que j'ai décidé de faire ce jeu en spectacle, puis j'ai besoin de toi pour choisir les tunes que je vais faire, là, genre. Bon, ben, tu devrais peut-être, je sais pas, faire la tune que t'avais composée pour ton ami Alexandre, là, qui est parti. Ouais, je pourrais peut-être la faire, mais c'est pas triste un peu, non? Et pas tant que ça. T'as juste à pas lui dire que tu l'as composé assis devant un verre en braillant au trou du diable quand t'as appris qu'il était mort. Ouais, de même, c'est vrai, là. T'as juste à pas lui dire que tu t'ennuies de lui, puis que, ben, tu penses à lui chaque fois que tu coupes des oignons ou que tu fais du chili. Ouais, j'ai pas à lui dire ça, dans le fond, ça pèterait le mood un peu. T'as pas besoin non plus de lui dire que t'es chialeux, puis tout le temps fâché après quelque chose. Ben, c'est sûr, t'as qu'à faire une tourne en son honneur, essayer de mettre tes qualités en avant, hein. Bon. T'avais-tu besoin de moi et d'autre chose, là? Je pense que t'es pas mal décidé, là. Non, je pense que je vais être correct. Merci, cerveau. Je vais pratiquer la toune, puis je te reviens pour la suite. Eh, bonne chance. Au revoir, mon vieux frère. J'en aurais entendu de tes vertes et pas mûres, de tes histoires de cul. Même si tu nous as pas dit au revoir en partant, on tiendra pas rancune, c'est pas grave, on se reprend. Au revoir, mon vieux frère, mais qu'est-ce qu'on en a dit? Des conneries, des menteries, des âneries, des foleries. Même si tu t'es sauvé par la porte de secours, ma vieille branche, t'es dans nos cœurs pour toujours. Qu'est-ce qu'on en a tué? Des bibites virtuelles, de noobs à GTA. Même si t'as jamais battu mon high score à Tetris, en voiture, t'étais toujours le premier en piste. Au revoir, mon vieux frère, toutes les bouffes qu'on a faites, du chili, des crevettes, du poulet, des omelettes. Même si tu pourras plus nous recevoir à souper, de la haute Europe, pas le choix de nous entendre chanter. Au revoir, mon vieux frère, je t'entends encore gueuler contre la politique, contre la société. Même si tu pourras plus nous remettre à notre place, on va tous s'ennuyer de ta vieille crise de face. Au revoir, mon vieux frère, j'ai fini ma chanson, assis à boire un verre en pleurant comme un con. Même si tu pourras pas nous blâmer de brailler, de la haute Europe, pas le choix de nous entendre chanter. Ta-da-dam, da-da-da-da-da.
da 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 da. Il y a environ un mois moins quelques heures dans ma tête. Cerveau? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, t'étais-tu occupé ou je te dérange encore, là? J'étais un petit peu occupé à te fouiller dans le nez, là. Autrement, non, là. Bon, c'est parce que je cherche une deuxième toune pour le show, là. T'aurais-tu une idée, ou... Avec la toune d'avant, ça prendrait quelque chose qui brasse un peu plus, genre du Metallica ou du AC/DC, genre? Avec une guitare acoustique. Je suis pas trop sûr que ça va pogner, moi, là. OK, d'abord, pourquoi pas, le Pic Bois de Beau Dommage. Yish. Tu sors ça de tes souvenirs, toi, là? Mais là, elle est bonne, la toune, non? Oui, mais elle est vieille. Ah, mais ça rappelle la nature, la liberté. Remarque, on pourrait peut-être mettre une traque de bruit de forêt, genre. Ah, oui! Puis là, on entendrait le pic-bois à l'heure où les gens s'éveillent. Bonne idée. Son arbre, me sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi pour venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pique-moi, laisse-moi pas tranquille, pique-moi, je veux plus m'en aller. Descendu dans un village, sent-elle bois, sent-elle sapin. Je suis tombé comme un orage, en plein été des Indiens. J'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour. J'ai eu le goût de déchirer, le pic-bois m'a joué un tour. Laisse-moi pour venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pique-bois, laisse-moi pas tranquille, pique-bois, je veux plus m'en aller. Quand t'es né sur du béton, tu sais pas les noms d'oiseaux. Je les connais pas par leur nom, je vais m'asseoir sans dire un mot. À l'heure où les gens s'éveillent, j'suis monté jusque dans le bois pour me laver les oreilles en écoutant le sur ma tête de bois. Pique-bois, laisse-moi pas tranquille, pique-bois, je veux plus m'en aller. Laisse-moi pas venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pique-bois, laisse-moi pas tranquille, pique-bois, je veux plus m'en aller. C'était Éric Lessard! Ah là, même si ici à soir on prône l'amour, on croit que c'est le temps de s'unir contre les forces du mal. Il est temps de trouver puis détruire les créatures des ténèbres! Ces personnages qui détruisent et corrompent notre jeunesse. Ouais, les drag queens! Pourquoi faut avoir peur des drag queens? Qu'est-ce qu'ils ont fait, à part être meilleurs que ma sœur pour se maquiller? Je sais qu'ils ont fait.
Que c'est qu'ils ont fait? La légende raconte qu'Ansel et Gretel, racontés par un homme avec une perruque, ça te traumatise une jeunesse. Mais là, c'est sûr. Ansel et Gretel, ils prennent le petit gars, la vieille sorcière, puis ils le mettent dans un four pour le cuire puis le manger comme un poulet rôti. J'en suis jamais revenu. Moi, c'est sûr, je vois plus jamais dans une maison faite en bonbons. Hey, en 2022, on a plus chialé sur Barbada, Hubert Lanoir, les ongles à Jay du Temple que sur Poutine. Ouais, parce qu'on le sait bien, hein, des drag queens dans mes yeux, il n'y en a jamais eu. Hein. Oh, moment de la petite vie, ça, c'était pas une drag queen, c'est certain. Hubert Lanoir, un artiste avec un genre indéfini. Ça aussi, j'ai jamais vu. Il n'y a pas eu genre. Attends. Oh, David Bowie. Oh, Marilyn Manson. Freddie Mercury. Ouais. Puis le vernis, hein. C'est pas pour les filles, c'est pour les ongles. Zach, l'amour, l'amour. Ouais, l'amour, Zach. Hey, parlant d'amour, Zach, sais-tu qu'est-ce que j'aime, moi? Le protocole! Parmi les prix remis ce soir, l'un d'entre eux sera déterminé par vous, membres de l'assistance. Il s'agit du prix coup de cœur du public. Lors de l'entracte, vous sera remis un bulletin de vote sur lequel vous pourrez choisir votre numéro préféré du spectacle. Lors de la remise des prix à la fin de la soirée, l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Shawinigan remettra une bourse d'une valeur de 200 $ au numéro élu. D'ailleurs, la prochaine performance se classe en hors concours. Elle ne sera donc pas évaluée par le jury. Cependant, il vous sera tout de même possible de voter pour celle-ci comme coup de cœur du public. Le premier étudie en arts et lettres et le second en sciences nature. Il nous offre un numéro hors concours de chant, musique et humour, catégorie création. Selon eux, pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de consentement. Accueillez Kéran Lorrain et Louis-Pierre Doiron! Son zizi dans son copain. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Son copain. C'est vraiment pas bien. C'est horrible. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Son copain. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Copain. À part s'il veut bien. Mmh.
copain n'est pas ok. Ok. Donc tu peux pas l'enculer. Ton copain, c'est un mec bien, je sais. Mais tu sais très bien qu'il aime les vagins. Les vagins. Ton copain, faut pas mettre ton zizi dedans. S'il est pas consentant. Consentant. Et même si il est gay, faut quand même demander tous ensemble. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Let's go. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Copain. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Faut pas. C'est vraiment pas bien. Encore une fois, Chaoui. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Son copain. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Copain. Faut pas mettre son zizi dans son copain. Copain. À part s'il veut bien. Oui, je le veux. Toi, le veux-tu? Non, je ne le veux pas. Comment? T'es sûr? Oui, je suis sûr. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas consentant. Désolé. C'est une déception, une abomination, mais je dois respecter sa décision. C'était Kieran Lorrain et Louis-Pierre Doiron. Hey, j'y ai pensé, puis je présenterais peut-être un numéro, finalement. Ah ouais, ça serait quoi ton numéro? Ce serait un PowerPoint avec un graphique qui explique pourquoi je t'aime. Je veux pas péter ta bulle, mais je pense que ça respecterait pas les critères. Quels critères? Les numéros de ce soir sont jugés selon trois critères. 30% pour l'originalité, 30% pour la présence scénique et 40% pour le talent. Je suis pas sûr que toi, avec ton PowerPoint, t'as une tant grande présence scénique. Non, mais c'est ça, je serais pas sur scène. Je serais avec toi, dans la salle, pour le regarder. Puis, dans tous les cas, là, c'est qui eux autres, ceux qui jugent que mon amour pour toi, c'est pas mon plus grand talent, hein? Ben, c'est tu vois, Laurent, je suis content que tu poses cette question-là parce que j'ai préparé de quoi? J'ai un carton. Le jury de ce soir est composé de 5 personnes issues du milieu culturel de la région. Nous avons Mme Stéphanie Gamache, coordinatrice à la médiation culturelle à Culture Shawinigan. On peut l'applaudir. Monsieur Paul Dallaire, enseignant à la retraite du cégep de Shawinigan. On peut aussi attendre que j'aie fini de dire, alors... enseignant à la retraite du cégep de Shawinigan en arts, lettres et communication et poète de renom. Maude Étier, gagnante de la finale locale de Shawinigan en 2018. Monsieur Sonny Tellier, musicien et professionnel dans le domaine des arts de la scène. Madame Julie Cossette, auteure, compositrice et interprète, membre du groupe Les Petites Germaines.
Merci aux membres du jury d'être avec nous ce soir. En tout cas, moi je dis que l'art, c'est subjectif. La prochaine personne est d'ailleurs un artiste, ce sera. Le prochain numéro est un duo de chant et musique, catégorie mixte. Ces deux participantes poursuivent un tremplin deck et ils croient que pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de covoiturage. Voici Théa Gnan et Casey Genina. J'entends plus ton cœur battre. Pose en paix, bébé, s'il te plaît. Dis-moi où tu veux, j'ai la clé de l'appart quand je vais partir. Je marche en plein milieu de la nuit, puis le soleil se lève, les oiseaux chantent du marimé. Je le loue, chante, la vie est belle depuis. Je réveille tous les matins avec le sourire. J'abandonnerai mes rêves le jour où je vais mourir. J'ai encore trop de choses à faire, mais j'ai déjà plus rien à dire. Je travaille pour payer ma musique, puis la musique, c'est ma seule raison de travailler. Je rêve dans les six chiffres, faut payer les taxes, payer les dettes, payer la drogue. Si t'as mon dos, je suis prête à payer pour la prod, mais vantez-vous pas, forgez-vous pas trop. Le temps passe aussi vite sur une Rolex ou sur une Casio. Mettez-les vos cagoules, parlez-nous de vos millions. Si j'étais pas gentil, je ferais de vous mon armée de mignons, mais... Des problèmes, on n'en aura jamais assez. Si bien se louer une camionnette pour les déménager. On a bien juste une vie à vivre. Pourquoi s'en passer? Fais juste commencer. Reste allé sur le realness. Baby, tu veux rouler côte à côte en Cadillac? Tout est parfait. On va rouler sur le boulevard jusqu'au soir, forfait complet, si on n'a plus de gaz. On va parler sans, on va courir vite, sinon on nous cherche. On va leur envoyer une carte postale, mon bébé. Allez, on s'en va faire le tour du monde. On va aller faire pied s'il faut. C'est pas juste la terre qui tourne. Pour pogner la voie rapide, faut être au moins deux. Hey, on va rouler le plus loin qu'on peut. Hey, on va rouler le plus loin qu'on peut. Hey, on va rouler le plus loin qu'on peut. Bébé, tu veux chauffer? En way down. Si ta maman s'inquiète, dis-lui qu'on revient en pas trop long. On va écouter du rap, Kev, même si on n'est pas tout bon. Changement d'huile a été fait, mais plus c'est des quatre saisons. On va freiner nos chansons préférées dans le char. Si on connaît pas les paroles, on va chanter comme nananana, nananana, nananana. La triste, on finit pas comme un film de Shyamala. Non, 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 non. Je te promets, je te promets, je te promets que si un jour on s'ennuie, on vient. En bas que je t'amène à Amos, à Matan. Apporte ton passeport, tes bagages, oublie rien. On s'en va faire le tour du monde. On va aller faire pied s'il faut. Pas juste la terre qui tourne en rond. On va rouler le plus loin qu'on peut. Pour peigner la voie rapide, faut être au moins deux. Hey, on va rouler le plus loin qu'on peut. Au lieu de regarder l'autoroute, on va se regarder droit dans les yeux. On va rouler le plus loin qu'on peut. Au lieu de regarder l'autoroute, on va se regarder droit dans les yeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là ici ce soir. Pour notre dernière chanson, on va vous interpréter la chanson de l'été. Wow. Pensais qu'on était rendus amis.
Je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, avant c'était ma copilote. On a roulé sa 440 direction Pompineuf. 140, j'ai même pogné étiquette de vitesse, appelle-moi Paul Walker. Rolling in the deep, comme à de la maman donné, ça roulait plus. J'avoue que j'avais un pépé, mais je suis rendu avec mon permis d'ado jusqu'à 20 inaptitude. Oui, tomber, oui, effondrer. Comme les fers en automne, paraît que c'était pas la bonne. Fait que là, je m'en vais juste prendre mon GPS pour me rendre. Si tu me textes, je réponds plus. Check-moi ben si on se croise dans la rue. Toss-toi de là. Je t'ai tout donné pis tu me réponds pas. Avant, tu voulais jamais bouger. Là, t'es toujours sur le party and bullshit. Tu fais partie des cool kids. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Parti dans l'ouest avec un Cupid en Tully. Pas loin du kit de survie. Non, oh, oh, oh. Seulement 4 points sur mon permis. Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la baby, yeah. T'es ma copilote comme les tiens, yeah. Baby, je suis le blé sous Waze. Prendons le volant. Mets la crème sur la range. Puis elle enlève ses collants. Viens tantôt nous sur la plage. Que je te joue deux, trois accords, yeah. Que je te pitch dans le lac. Mais oui, seulement si t'es d'accord, yeah. On a passé les derniers étés sur la route. Partir le plus loin qu'on peut sur le cruise. Fourger quelque part des draps. Dormir dans le parking lot. Oh, 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 oh. Oh, oh, check-moi ben, check-moi ben, check-moi ben, get real. Tu voulais pas venir, je m'efface, j'ai continué tout seul. Je peux écouter la musique que je veux. J'ai personne pour rouler mes backwoods. Quand je roule, c'est un peu dangereux. Je roule quand je roule, peux même m'arrêter. Fais toujours un peu plus chaud dans le dehors, anyway. Je m'en vais rouler sur le highway. Si jamais je pogne un accident, tu viendras me rejoindre à l'urgence. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance. Oh, 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 oh. Si tu veux, on peut rider jusqu'à Vancouver. Ou peut-on jusqu'au Mexique pour ce qui est plus vert. Je peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde à la recherche station d'essence. Si je pouvais, j'aurais une voiture volante. Road trip on the ocean with the all gang, yeah. Nous du haut top de la plus haute montagne, yeah. Wow, wow, wow. Quand je suis high, y'a pas de turbulence. J'ai juste testé mon endurance. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance. C'était Théan Gann et Casey Gélina. Poursuivons avec un numéro de musique catégorie création. Ce concurrent fait un tremplin deck et selon lui, pour un monde avec plus d'amour, il faudrait moins de pick-up. Voici Félix-Antoine Vautour. Salut, vous êtes en forme, Chaoui? Yes, sir. Dans le fond, je me présente, je m'appelle Félix-Antoine Vautour. Puis aujourd'hui, dans le fond, je vais vous faire un numéro qui a comme concept les loops. Est-ce que vous connaissez le concept des loops? 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 Maintenant, oui. Ça, c'est un loop. Dans le fond, je vais vous expliquer ça bien court. Des loops, c'est des pistes. Que, dans le fond, j'ai une pédale spéciale ici que je peux enregistrer plein de pistes, les empiler. Puis au final, ça donne quelque chose. Ça donne une musique, dans le fond. C'est pour ça que j'ai une guitare. Fait que. Je vais commencer tout de suite. Thank you.
Merci à Félix-Antoine Vautour. La prochaine prestation est une performance d'art oratoire, catégorie création. Il est étudiant en arts et lettres et pense que pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de gros couteaux. Voici Anthony Prémont. Bonsoir Chloé, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous interpréter 3 de mes poèmes. Voilà. Retrouvailles d'un être cher. C'est aujourd'hui, un joli jour d'hiver, là où tombent les premières neiges. Comme à mon habitude, j'entends les cigales chanter, j'entends les enfants crier. Comme à mon habitude, je vois les parents sourire, je vois les enfants courir. Comme à mon habitude, je sens le vent chaud caresser ma peau sur cette étendue d'eau. Comme à mon habitude, je sens le soleil me réchauffer la peau. Je tourne la tête, mon regard se jette au loin, puis, soudain, je t'aperçois. Mes habitudes s'échappent, le sourire s'efface, les bruits s'estompent, le calme s'instaure. Oui, je te vois, c'est bien toi. Toi qui m'observes depuis des mois, tu es là, au milieu de ta forêt, perché sur la cime de ce pin, surplombant ce rivage, le protégeant de tes petites mains. Là où tu bâtis tant de souvenirs et fis germer tant de récits, alors je m'élance, seul. Les jambes marquées, les pieds plombés, les yeux rivés sur toutes ces années passées à tes côtés. On se revoit enfin, tu es là, gisant à terre, sous cet épais matelas d'épingles ternes. Parmi cet amas de pierres arc-en-ciel, je m'allonge alors par terre, à côté sur ton lit d'esprit, laissant nos regards se croiser et nos pensées s'entremêler. Nébuleuse, c'est aujourd'hui un jour d'été fatigant, dotée d'une chaleur étouffante. Comme à son habitude, elle se lève et entend les oiseaux flotter, puis les marmots crier. Comme à son habitude, elle déjeune et voit les parents sourire, puis les enfants courir. Comme à son habitude, elle sent le vent chaud lui caresser la peau sur son petit plateau. Comme à son habitude, elle sent le soleil lui réchauffer la peau. Elle tourne la tête, son regard s'éteint, puis, soudain, elle l'aperçoit. Ses habitudes s'échappent, son sourire s'efface. Les bruits s'estompent, le calme s'instaure. Oui, elle la voit, c'est bien elle. Elle qui l'observe depuis des mois. Elle est là, au bout de ce tunnel, ornée d'une étroite noirceur. De l'autre côté de ce rivage, si intense et si chaleureuse. Alors, elle s'élance, seule, laissant ses souvenirs et ses récits. Délestant ses pieds et ses jambes, les yeux rivés sur cette lumière. Là-bas, de l'autre côté. Elle s'en approche, l'atteint, puis disparaît derrière cette épaisse brume lumineuse. Elle réside maintenant là-haut, perchée parmi les nébuleuses. Inspiration. Inspiration de tant de générations, arborant le calme d'une élocution, n'ayant besoin d'allocution pour prôner son écusson. Écusson brodé au fil d'années passées, au fil de foyers modelés, au fil de verre soufflé. Patriarche de ce troupeau, menant la barque depuis la poupe, le regard tourné vers la proue. Empli de dévotion, symbole d'abnégation, racine de cet arbre, racine de toutes ces âmes. Homme de lettres, homme d'esprit, homme d'ouvrage, homme de sagesse. Être de raison, être d'écrit, être d'unisson, être de détresse. Gardant tout mal-être, malgré tant de dépit, gardant courage, délaissant paresse. Moule de mon enfance, de mes vacances, moule d'une souffrance, d'une délivrance. Ravin creusé, du fil d'innombrables lames, un ruisseau de couteaux creusant ce grand cœur, passé nuit blanche à éveiller cette terreur, à remuer ses souvenirs délaissant en larmes. Astre écarlate, rabaissant les terreurs, effaçant rougeur du passé, accouchant des couleurs à l'horizon. Tu es mon inspiration. Merci. C'était Anthony Prémont. Bon,
maintenant que t'as détruit mon rêve d'être le grand gagnant de la soirée, je peux-tu savoir c'est quoi les prix que je remporterai pas? Oh, il y en a plusieurs. Ouais, Zachary, je veux pas t'interrompre, hein, mais tu sais, c'est un spectacle, on a chacun un rôle à jouer, alors je vais faire le mien, soit le protocole. Ce soir, une bourse de 200$ offerte par l'Association des parents du cégep de Shawinigan sera remise au numéro qui terminera en troisième place. La deuxième place se méritera quant à elle une bourse de 300$ remise par la Fondation du cégep de Shawinigan. Finalement, en plus de représenter le cégep à la finale régionale qui se tiendra ici même au cégep de Shawinigan le 25 mars 2023, le grand gagnant de ce soir recevra une bourse de 400$ remise par Culture Shawinigan. Ensuite, on peut applaudir, il n'y a pas de souci. C'est pas rien, 400$, tu sais. Ensuite, dans chacune des 5 finales régionales, 2 numéros seront nommés gagnants ex aequo. En plus d'accéder à la finale nationale, ils recevront chacun une bourse de 750$, l'une offerte par le RIASC et l'autre par Desjardins. Finalement, les artistes et groupes participants à la finale nationale seront en lice pour remporter plusieurs prix d'une valeur totale de plus de 14 000$. Merci à tous les partenaires. Et merci à toi, Noah. Mais Laurent, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'association étudiante va aussi remettre 3 bourses de 50$ chacune à 3 bénévoles s'étant impliqués dans la réalisation de cette finale locale de Cégep en spectacle. En plus, Culture Shawinigan offre aussi 6 paires de billets pour le spectacle de Virginie Fortin le 9 décembre prochain. Il y aura plus tard un tirage, 3 paires de billets parmi les artistes et bénévoles et 3 paires parmi le public. Et finalement, comme le véritable prix c'est l'amour, il y a une partie des recettes de la vente des billets de Cégep en spectacle qui sera remise à la campagne des paniers de Noël destinée aux étudiants du Cégep qui en font la demande. Mais tu sais, de toute façon, le vrai prix, là, c'est le moment qu'on passe à 3, là. Ben justement, Zach, j'aurais un petit questionnement, là. Admettons que je gagne une paire de billets pour voir le spectacle de Virginie Fortin. Ah, ouais, ouais. Comment tu penses que je devrais m'habiller, hein? Hey, sur cette friendzone, mon Laurent. Passons à la prochaine concurrente. Elle nous offre une prestation de chant et musique catégorie mixte. Elle étudie en technique d'éducation à l'enfance et croit que pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de paix. Voici Chami Thibodeau-Bellan, accompagnée à la guitare par Éric Lessard. Bonsoir, vous allez bien? Ce soir, je me fais le cadeau de chanter une de mes compositions que j'ai écrite en 2016. Puis cette composition parle un peu de mon passé, de ce que j'ai vécu dans le passé, mes blessures, mais au final, c'est rempli d'espoir. Donc voici, rien ne peut m'arrêter. Piège de mon passé, à force de me briser l'âme pour la reconnaissance, j'ai dû apprendre à me protéger. Mais les mots qui font mal, ceux qui te font douter, restent toujours si présents. C'est peut-être faux qu'ils s'envolent si facilement. Ça c'était le passé, mon chemin m'a mené devant les projecteurs. Et j'y ai trouvé ma force, devenue invincible, j'ai pu vaincre mes peurs. Quand la musique s'élance et que la mélodie devienne partie de moi, j'oublie. Et d'être aimé, plus rien ne peut
écrit pour vous à chanter ma chanson. Je vous la donne de mon cœur qui, grâce à la musique, ne vit plus en prison. Quand la musique se taira, je serai toujours là, fébrile, mais tellement bien. Car sur la scène, je n'ai plus besoin de rien. Ça me fait chaud au cœur. Je pense que cette année, j'ai réellement compris ce que c'était de chanter sur une scène. Je pense que je me sens bien, mais j'ai quand même une crainte que le public ne m'aime peut-être pas encore assez. Donc, je vous laisse là-dessus. Tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que c'est tous à Bellas, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer à m'attirer, me toucher. Je suis
j'ai pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'ai cherché ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore, je trouverai des langages, pour chanter des louanges, je ferai nos bagages, pour l'infini vendange, des formules magiques, des marabouts d'Afrique, je les dirai sans que tu m'aimes encore. Je m'aventurerai pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces hommes qui te donnent du plaisir. Vous deux serons les nôtres si tel est ton désir. C'était Chami Thibodeau-Bellan et Éric Lessard. Poursuivons avec un numéro de chant catégorie création. Ce participant étudie en arts et lettres et selon lui, pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de sauce dans la poutine à la cafétéria. Veuillez accueillir Kéran Lauret. À croquer la vie, j'en perds le goût. Bien trop stupide, tu le sais. Jamais je pourrais toucher le ciel. Chez moi, y'avait pas assez d'eau. Le grand bas, je l'ai pris à la traîne. Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Me demandez pas pourquoi je saigne. Me demandez pas pourquoi, quand je parle, je donne l'impression que je vais me tirer une balle dans la tête. Y'a des choses qui restent, d'autres qui restent pas. On écoute ces gens, toutes ces messes. Passe, j'ai besoin de temps, de plus d'aise. Passe. Bordel de merde, qu'est-ce que j'ai mal au cœur. La colombe passera, elle est juste pas à l'heure. Elle est juste pas à l'heure. Elle est juste pas à l'heure. J'suis dans le convoi. Ce soir on enterre nos âmes. Ce soir on enterre nos voix. Pour que jamais personne ne nous pleure ou se fâche. Moi j'veux la brûler. Qu'est-ce que je m'en fiche de la tourner la page. Moi je prends le livre, je le jette, je l'écrase. Pas besoin de la finir, on la connaît l'histoire. Dis-moi tout de suite, je m'étouffe. J'en ai marre d'entendre tous ces fous. J'en ai marre, j'en peux plus, c'est tout. Je vois même plus le temps qui découle. Encore un peu, je le touche. Le fond, je le vois, je fais des scènes. Je suis perdu quand je repense à nous. J'ai notre amour gravé dans mes veines. Bordel de merde, qu'est-ce que j'ai mal au cœur. La colombe passera, elle est juste pas à l'heure.
elle est juste pas à l'heure. Elle est juste pas à l'heure. Bordel de merde, qu'est-ce que j'ai mal au cœur. La colombe passera, elle est juste pas à l'heure. Elle est juste pas à l'heure. Le rideau se lève, dernier acte. On se revoit, je suis devant chez elle. Y'avait plus un bruit dans le ciel. Le silence y pèse, je le casse. Depuis le début j'ai la haine. C'est pas moi qui parle, c'est ma peine. J'ai du mal à penser mes plaies, je sais. Ce soir tout est clos, tout est fermé. J'ai brisé ton cœur, j'fais le constat. Ton sourire est triste, tu fais que pleurer. Je t'ai dit de partir, j'étais cerné. Et c'est peut-être pour ça que j'suis comme ça. Bordel de merde, qu'est-ce que j'ai mal au cœur. La colombe passera, elle est juste pas à l'heure. Elle est juste pas à l'heure. Elle est juste pas à l'heure. Bordel de merde. J'ai mal à la tête. La colombe passera peut-être. Bordel de merde. Salut, je suis pas disponible, laisse-moi un message. Hey Nolan. Visage caché par un sourire, y'a un peu de larmes sur le pavé. Je ne ferme plus les yeux, je peux plus dormir. Je regarde plus les glaces de mon palier. Tu sais quand j'y pense, je trouve ça bête. Genre c'est mes puisses se séparer. Y'a des choses qui se passent dans ma tête. C'est trop noir, je peux pas en parler. Y'aura peut-être un jour où je vais sortir des sentiers, resserrer les liens qu'on a reliés. Et si tu me sens plus dans tes bras, que t'as mal, faut que tu saches qu'il y a des pétales de rose sous ton oreiller. Sous ton oreiller, y'a des fleurs. Plus que tu pleures tard le soir, car je sais que t'as mal et que t'as peur. Et comment on fait si un jour on se voit? Comment on fait si un jour on se croise? Comment on fait si on coupe la galette et qu'au final aucun de nous deux a la fève? Comment on fait si un jour on se laisse? Comment on fait si un jour on se blesse? Comment on fait si un jour on se quête? Et comment on fait si je t'aime? Kéran Loret. Continuons avec un étudiant en micro-édition et hypermédia qui nous propose un numéro d'art oratoire catégorie création. Selon lui, pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de produits laitiers. Veuillez accueillir Laurent Perrault. Bonjour, Shaoui, vous allez bien? Let's go, on est dans un bon mood, alors je vais vous raconter une histoire tragique et triste. Mais avant, apprenons à nous connaître un peu, Shaoui. Tu sais, je sais pas c'est qui Laurent, mais moi, je m'appelle Trombone Lafleur. Pourquoi Trombone Lafleur? C'est pas de vos astuces d'affaires. L'histoire commençait avec Idéris le cochon. Idéris le cochon, il travaille dans une charcuterie. Sa première cliente, c'est Grégoine Lawa. Grégoine Lawa, elle a un petit chapeau de fête, parce que c'est sa fête. Puis pour sa fête, elle voulait un genre de rabais, tu sais, pour avoir du jambon, vu que c'est sa fête. Fait qu'elle a demandé un rabais. Puis Idéris, ben, il a dit non, il a besoin de cacher un peu. Fait que là, ben, Grégoine était un peu en maudit. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son char, puis elle a foncé dans la charcuterie.
Ça l'a fait un gros boom. Ça l'a donné qu'Idéris, ben, il s'est comme ramassé à l'hôpital, tu sais, à cause de l'accident. Là, il y a eu Jonathan, l'infirmier sexy, qui a annoncé qu'il devait lui retirer le rein à cause de l'accident. Fait que l'infirmier sexy, Jonathan, a aussi fait l'opération parce que être infirmier, être infirmier et s'appeler Jonathan et être sexy ne couvre pas les fins de mois. Fait que là, ben, il devait aussi être chirurgien. Fait que là, ben, il a comme pris le rein d'Idéris. Puis ce qu'il a fait avec, c'est qu'il l'a vendu à la souris mafia. Parce que, ben, être chirurgien, être infirmier, être sexy et s'appeler Jonathan ne couvre quand même pas les fins de mois. Fait que là, ben, il a comme vendu le rein, puis il a fait affaire à la souris mafia. Mais l'affaire, je sais, oui, là, quand on fait affaire à la souris mafia, là, ben, on meurt. Fait que Jonathan, ben, il est comme mort. Puis là, ben, la souris mafia, tu sais, il a l'air d'être un gros tough, tu sais, il a des lunettes, mafia, tu sais. Mais en fait, il voulait acheter le rein parce qu'il voulait le donner à son neveu qui a le cancer. Oh! Mais son neveu, il a le cancer du poumon. Fait qu'un rein, ça lui a servi absolument à rien. Fait que là, ben, la souris mafia, elle avait comme un rein en plus, un neveu en moins. Fait que là, ben. La souris mafia se promenait genre triste dans l'hôpital, tu sais. Puis c'est là qu'il a fait la rencontre d'Idéris le cochon. Fait que là, ils sont devenus ben chum, tu sais. Ils sont comme, hey, yo, what's up? Puis là, ben, ils sont devenus amis 2 ans après cet événement, à la fête d'Idéris, pour être exact. La souris mafia, il donne un cadeau. Puis là, son cadeau à Idéris, c'était son rein. C'est ben gentil. Ah! Idéris, il était tellement touché, il a décidé de le marier sur le champ. C'était bien cute, le rein les a mariés. Fait que là, ben, pour leur cadeau de noces, ils ont décidé de tuer Grégoine. Vous suivez? Une chance, parce que ça, c'est juste le prologue. Maintenant, la vraie histoire, c'est l'histoire de Fidorion le poisson rouge avec des hosties de longues jambes. Fidorion, c'est le fils d'Idéris le cochon et de la souris mafia Tristan. Vous suivez? Évidemment que vous suivez. Lui, Fidorion, il étudie au cégep dans un programme qui s'appelle le ressuscitage ou la résurrection, ça dépend de la région dont tu viens. Mais pour se pratiquer, pour son projet de fin de session, ben, tu sais, il voulait pratiquer un ressuscitage. Fait que là, ben, il est allé au cimetière, puis ben, il est allé voir la tombe des Grégoines. Puis il a emmené ce qu'il avait besoin pour un ressuscitage, une pelle, un rein pour le ressuscitage. Mais l'affaire, c'est que la tombe à côté, il y a comme un mort qui est revenu de parmi les vivants. Et c'était Jonathan, l'infirmier, la chirurgien sexy, hein, whatever. Puis ben là, il est revenu de parmi les morts, puis il a dit à Fidorion, « Hey, revis pas, fais pas revivre Grégoire, ça me tente pas. » Puis là, ben, Fidorion était comme, « Wow, des abdos, il est bien sexy. OK, m'a t'écouté, là. » Fait que là, ben, tu sais, ils ont comme eu un coup de foot, puis ils sont mariés. Fait que là, le rein les a encore mariés. Puis, mais l'affaire, c'est que, oui, là, l'affaire, c'est que Fidorion, là, il s'est marié avec Jonathan. Mais les parents de Fidorion, c'est un peu eux qui ont tué Jonathan. Fait que c'est sûr qu'ils voulaient pas que leur fils se marie avec la personne qu'ils ont tué. Fait que là, ses parents étaient comme pas d'accord avec ça. Fait que là, ben, Fidorion, il a choisi, genre, son amant avant sa famille. Fait qu'il a décidé de couper les ponts avec sa famille. Qu'est-ce que tu veux, c'est le même des fois. 8 ans plus tard, après le mariage, Fidorion, il a grandi en hostie et il a poussé une moustache. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Jonathan, l'infirmier chirurgien sexe, genre 2 ans, ben, il est comme devenu abusif physiquement et psychologiquement. Genre, tu sais, il battait puis il l'insultait, whatever. Fait que là, ben, Fidorion, ben, quand il a comme catché ça, ben, il s'est comme enfui dans une ruelle, puis il a emmené son animal de compagnie préféré. Préféré parce que c'est son seul. C'est un petit cube de glace dans un Tupperware. Fait que là, ben, c'est ça, il se cachait avec son animal de compagnie. Puis là, ben, il réfléchissait à un plan, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire pour son amant abusif, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire. Là, il a pensé à faire ce que son ex il a empêché de faire 8 ans auparavant, c'est-à-dire ressusciter Grégoine. Fait que là, il est retourné au cimetière. Grégoine toujours là, intact, avec le rein toujours intact. Puis là, il a comme pris le rein, il l'a mis dans Grégoine, parce que c'est comme ça qu'un ressuscitage, ça marche. Ça a fait splosh quand il a mis le rein. Puis là, il est comme revenu à la vie. Puis là, ben, ils sont comme checkés, c'est comme, wow, t'es bien beau. Fait que là, ben, pour prouver leur amour, parce qu'ils étaient tombés en amour, ben, ils ont décidé de tuer Jonathan une deuxième fois.
Fait que là, ben, après, ben, ils se sont mariés tout de suite après. Puis là, ben, tu sais, c'était bien cute. Là, le rein les a encore mariés. Junior, parce que l'autre, il est mort dans... Whatever. Puis là, ben, ils se sont mariés. Mais là, l'affaire, c'est que Dorion, il a comme eu un eye contact avec Dantalia l'alligator, qui est la sœur de Grégoine. Puis là, ils se sont comme checkés. Puis avant de dire le fameux « oui, je le veux », ben, Fidorion a sacré son camp classeur de Grégoine dans Talia l'alligator. En laissant Grégoine tout seul là, en train de brailler comme une conne! Fait que là, ben, c'est ça, là, Grégoine est un peu en crise, là, qu'est-ce que tu veux? Genre, son mari la laisse pour sa sœur, tu sais, whatever. Du coup, deux ans après, là, Fidorion pis Dantalia, il est en train de boire une tasse de thé. Pas marié, prennent ça slow pour une fois, deux mariages ratés quand même. Fait que là, ben, c'est, mais là, il y a comme une brèche spatio-temporelle qui s'est ouverte. Puis là, il y a comme une Gorgojolours qui est arrivé. Gorgojolours, c'est... Suivez-moi bien, là. Vous allez suivre. Gorgojolours, c'est le fils de Fidorion et de Jonathan, l'infirmier slash chirurgien sexy, mais que Fidorion n'a jamais su qu'ils ont eu. Puis il vient du futur. Vous suivez? Évidemment que vous suivez. Fait que là, c'est ça, il revient du futur pour avertir Poisson Fidorion que Grégoine allait le tuer aujourd'hui. Fait que là, il a sacré son camp après. Puis là, ben, Fidorion puis Dantalia est comme, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, leur premier réflexe, ça a été de prendre le premier vol pour aller au Brésil. Mais, ce que vous savez pas, Chaoui, c'est que Grégoine a hacké dans la base des données du CIA puis de la FBI pour trouver la localisation de Fidorion et d'Antalya. Ça fait du sens? Fait que là, ben, puis elle l'a trouvé. Vous suivez? Évidemment, j'ai pas besoin de demander. Puis là, ben, fait que là, elle l'a trouvé. Fait que là, c'était comme, elle est allée au Brésil. Fait que là, ben, pendant que Fidorion puis d'Antalya, ils chillaient, ben, chill sur la plage, ben, genre, Grégoine, Loa, vous suivez? Ben, genre, elle était cachée derrière un buisson, puis elle attendait l'opportunité d'aller les tuer. Puis là, ben, elle a eu l'opportunité. Fait que, elle a noyé Fidorion, le poisson rouge, devant sa sœur, Dantalia. Fait que là, ben, Dantalia, elle est comme, what the fuck, bitch, tu viens de tuer mon chum? What the fuck? Fait que là, ben, elle a tué sa sœur, tu sais, après. Fait que c'est un peu triste. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont laissé derrière eux le petit cube de glace dans un Tupperware. Tout seul. Tu sais, lui qui assistait à toute cette tuerie-là devant ses yeux, toute sa famille morte, toutes les personnes qu'il a connues qui viennent de se tuer, tu sais, il était triste puis il était seul. C'est pour ça que je suis ici, Shawinigan, pour vous raconter son histoire à lui, mon meilleur ami, le petit kit de glace dans un Tupperware. Donc, aujourd'hui, il est venu juste pour vous. Je suis tellement content qu'il soit ici. Mesdames et messieurs, veuillez l'applaudir, le petit cube de glace dans un Tupperware! C'était Laurent Perrault! Là, les gars, on est rendu au moment préféré. Mon Merci. Moment préféré. Les remerciements. Oui, j'ai aimé Tout d'abord, tu sais, je voulais vous remercier. Tu sais. Vous êtes vraiment mes meilleurs amis. Tu sais, on a vraiment passé une belle soirée. Oui, c'est sûr, Zach. Oui, c'était cool. Juste cool? Mais c'est pas comme « Yo, Zach, c'était plus le fun que mon après-bal. Je suis vraiment content que tu sois dans ma vie. » Hey, c'est drôle, Zach. Je recherche un carton, tu sais, pour te répondre, mais ça fait pas partie du protocole! All right. Ben, Laurent, peut-être? Tu veux même pas rien savoir de mon excellent bœuf bourguignon. Là, les gars, on a un problème, là, parce que j'ai un très long carton protocolaire à lire, puis j'ai peur qu'on perde l'attention du public, là. Fais-toi-en pas, j'ai tout prévu. Parce que j'ai amené une photo de moi, bébé! Yes! OK, c'est bon. On a leur attention. Cégep en spectacle est en grande partie réalisé par des étudiants du Cégep de Shawinigan. Nous remercions les bénévoles qui travaillent dans l'ombre et sans qui la tenue de cette soirée n'aurait pas été possible. On peut les applaudir. Et
merci à Stéphanie Lavoie et à son équipe, à la technique audiovisuelle. Saluons Adamo Yonata, qui a accompagné nos participants de ce soir dans leur développement artistique tout au long de la session. Et merci à notre artiste invité, Cassie Berthiaume-Lafrenière, qui vous offrira, après l'entracte, une prestation hors concours pendant la délibération du jury. Les gars, il me reste un carton, là. On est en train de les perdre. Ah, non, non, hey, inquiète-toi pas. J'ai pensé à tout parce que j'ai une photo de moi, bébé, dans un œuf. Génial, on les a retrouvés là-dessus. Merci à Simon Cormier et à Marie-Joëlle Beaudoin, respectivement à la coordination et à la mise en scène. Remercions également nos 5 jurés de ce soir, ainsi que nos partenaires locaux, Culture Shawinigan, l'Association de parents, ainsi que la Fondation et l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Shawinigan. Bravo surtout, et merci à tous les artistes du spectacle de ce soir. Sans vous oublier, vous, cher public, merci à vous. Et surtout, les gars, faut surtout pas oublier de remercier une personne exceptionnelle qui est avec nous ce soir. Hein? Non. Excellente. Non, c'est ça, là, tu vas plugger le gars du début. Là. Non, sa femme. Merci à vous, Marie-Paul Deschaines. Pensiez quand même pas que j'allais vous oublier, madame. Oui, Zach, c'était dans le protocole, ça. Ouais, c'est ça, c'était dans le protocole, hein. On va maintenant passer au moment du dernier numéro. Cette concurrente nous propose du chant, catégorie interprétation. Elle est étudiante en technique d'éducation à l'enfance et croit que pour un monde avec plus d'amour, il faudrait plus de cowboys. Veuillez accueillir Coralie Doucet! Dans la prison de Londres, tandililam, dililam, dililam. Dans la prison de Londres, il y avait un prisonnier. Personne venait le voir, tandililam, dililam, dililam. Personne venait le voir que la fille du geôlier, que la fille du geôlier. Dites-moi donc la belle, tandililam, dililam, dililam. Dites-moi donc la belle, demain si je mourrais, demain si je mourrais. Je meurs demain, tandililam, dililam, dililam. Puisque je meurs demain, lâchez-moi dans les pieds, lâchez-moi dans les pieds. Quand il eut les pieds lâches, tandililam, dililam, dililam. Quand il eut les pieds lâches, à la mer s'est jeté, à la mer s'est jeté. À la première plonge, tandililam, dililam, dililam. À la première plonge, la mer a traversé, il a manqué se noyer. À la deuxième plonge, tandililam, dililam, dililam. À la deuxième plonge, la mer a traversé, la mer a traversé. Il s'est mis à chanter. Si jamais j'y retourne, tandililam, dililam, dililam. Si jamais j'y retourne, oui, je l'épouserai, oui, je l'épouserai. Merci. Bonsoir tout le monde. La chanson que je viens de vous interpréter contenait de la turlute. Et ce soir, j'avais envie de faire la différence avec vous, avec la turlute et le yodel. Donc, à main levée, qui sait c'est quoi la différence?
il n'y a pas beaucoup de personnes. La turlute, c'est des jeux de mots, tandis que le yodel, c'est une technique vocale. On doit passer de la voix de poitrine à la voix de tête rapidement, ce qui donne « Hey, hey, hey ». Et là, on me demande souvent « Mais où que tu as appris ça, le yodel? » Mais moi, j'ai connu le yodel grâce à Manon Bédard. Et tout de suite, quand je l'ai entendu chanter, je suis tombée en amour avec le yodel, avec sa musique et sa personne. Et là, justement, Manon, elle est là dans la salle. Manon, t'es où? Oh, merci d'être là. Je t'aime fort. Et avant de commencer la deuxième chanson, je voulais vous mettre dans le bain un peu. Donc là, vous allez répéter après moi. Il y a du lait? Il y a de l'eau? OK, vous êtes bons là, mais il faut aller plus vite. Il y a du lait? Il y a de l'eau? Il y a de lait? Il y a de l'eau? Il y a du lait, il y a de l'eau, 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 il y a de l'eau. Vous êtes prêts pour la deuxième chanson? Moi j'apporte la brise de l'ancienne, l'écho de mes chansons tyroliennes, les montagnes, les vallons, les vallées. Je suis venue jusqu'ici pour yodeler, car au fond de mon cœur une flamme, et depuis ma jeunesse mon flamme, c'est le bonheur d'être pour vous toujours, les tyroliennes, les meilleurs troubadours. J'irai chanter dans votre village, entouré de mes meilleurs musiciens. J'irai chanter tous mes plus beaux refrains aux quatre coins de ma belle province. Les tyroliennes, je serai la reine, et plus tard jusqu'au grand Mississippi. J'irai chanter mes yodelouties. C'était Coralie Doucet. C'est ce qui termine la partie concours du spectacle. Donnons encore une fois un peu d'amour à tous les participants qui nous ont offert des prestations. Nous allons prendre une pause de 15 minutes durant laquelle vous pourrez voter pour votre coup de cœur de la soirée. Nous nous retrouverons ensuite pour une prestation de notre artiste invité, Cassie Berthiaume-Lafrenière, suivi du dévoilement des résultats de la soirée. Wow! 15 minutes, ça nous laisse le temps de composer un chef-d'œuvre, ça? De quoi tu parles? Les Beatles ont composé Yesterday en moins d'une minute. Bon, ouais, on va le composer, ton chef-d'œuvre. À tout de suite, tout le monde! Hein? Ils sont revenus, les gars! Ils sont là! Le numéro des dragues a passé! Let's go, let's go. Les jurés sont présentement en pleine consultation dans une pièce à l'ambiance feng shui, d'où émane une douce odeur de cardamome, le tout décoré de bambous exotiques, tandis que Cupidon calcule l'amour du public. C'était pas écrit sur ton carton, ça? Oui, c'est écrit sur mon carton, Zach. Ah, ben oui, toi. C'est moi qui ai écrit le carton. Oui, mais... J'aurais pu leur dire la vérité, là, que le jury est dans un local de philo délabré à boire du café filtre pendant que le gars de socio calcule les votes. Ça fait moins rêver, c'est moins glamour.
Non, j'avoue, c'est moins glamour. Mais en attendant que les jurys prennent leur décision, nous avons la chance d'avoir comme artiste invité Cassie Berthiaume-Lafrenière. Ouais! Cassie est une auteure, compositrice, interprète originaire de Shawinigan. Chanteuse folk country, elle compose et interprète des chansons d'amour à toutes les sauces pour faire sourire et pleurer. Depuis 2004, Cassie enseigne le chant populaire dans diverses écoles de musique au Québec. En 2019, elle a lancé l'ensemble vocal de Saint-Mathieu-du-Parc pour finalement ouvrir en 2020 l'école de musique Fa bémol. Mesdames et messieurs, voici Cassie Berthiaume-Lafrenière. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Premièrement, on va donner une bonne main d'applaudissement à tous les participants de ce soir. Ils sont là, ils vous entendent un peu partout. Ça a été un super show. Puis merci aussi à vous. Vous êtes là aujourd'hui, puis ça va faire la différence entre une personne qui va faire cégep en spectacle une fois, peut-être deux, peut-être trois, s'il gagne, puis quelqu'un qui va en faire d'autres spectacles ici et là, puis qui va continuer, puis qui, à 30 ans, va revenir dans un cégep faire des spectacles comme on fait. Puis on est vraiment contents d'être là ce soir. Je vous présente Guillaume Huot. Guillaume, c'est mon ami, mon guitariste de toujours, puis c'est lui aussi qui m'aide quand je compose des chansons, je les envoie. Il trouve ça bien quétaine. Hein? Je parle tout le temps d'amour. Mais c'est pas tout le temps de l'amour, c'est des relations. Mais là, j'ai compris que c'était ça le thème ce soir, l'amour. Fait que je suis vraiment contente d'être dans le thème. On va commencer avec... Hey, ça rouvre-tu cette affaire-là? D'habitude, là, puis c'est ça l'affaire. Nous autres, on fait jamais nos compositions. On chante « I will survive » dans des corporatifs. Fait que c'est vraiment un très grand plaisir d'être là ce soir puis pouvoir faire des compos. La première s'appelle « French Moi ». French moi sur le top d'une montagne, puis fais semblant m'aimer un peu, je le sais. On fera pas notre vie à deux, ça s'est avéré être pas mal. Bref, notre belle histoire qu'on voulait tant, je peux pas contrôler tes sentiments. Tu m'as aimé pour quelques heures, même quelques jours, j'ai pu vraiment. Tu m'as sorti de ma torpeur, t'as éclairé le chemin devant. C'était plus qu'une idylle de passage, le genre d'amour qui dure une nuit. Je sais que c'était plus vrai que ça quand tu me serrais dans tes bras. Mais là, j'avance avec ton beau sourire dans mes pensées. Et s'il fallait que tu m'oublies, tu perdes au vent nos belles folies, je comprends. J'ai pas l'intention de t'attendre, mais si un soir tu veux ben moi que je goûte encore au creux de tes bras à peine, je serai pas longue à répondre. On peut aimer passionnément, crier des mots qui ont pas de bon sens, mais qu'en est-il de leur valeur si au matin ils nous font pas? Je me suis accrochée au feeling d'un amour plus grand que moi. Je me ferai pas prendre la prochaine fois, se faire des attentes comme tomber ben bas. Fait que là, j'avance avec une autre histoire dans mes pensées. Un jour je serai sur mon perron d'une belle cabane en bois rond, promis. J'aurai une pensée pour toi, j'ai un peu mal. Ce soir encore, les larmes montent trop facilement, c'est correct. J'écrirai une autre chanson pour toi. Merci, merci, merci. La prochaine, une chanson d'amour très naïve d'une vieille relation qui n'a pas duré finalement. Ça s'appelle « Pour toi ». Puis on a même enregistré un album avec cette chanson-là en 2012. Fait que je suis bien contente. Oui, ça date, mais je l'aime encore. Fait que pas le gars, là, la toune.
Pour toi, j'assemblerai des mots pour toi, un vocabulaire nouveau pour toi. Je chanterai un peu trop, crois-moi, ça ne sonnera pas faux. Si tu te donnes tout à moi, je ferai tout pour toi. Si tu me donnes la main, on ne verra pas la fin. Raconte-moi ton histoire et surtout n'oublie rien. On se fera pas d'accroire, on s'aime déjà trop bien. Avons-nous un futur, c'est à ta voix que je carbure. Parce que pour toi, j'ai envie d'être toujours là. Pour toi, je lâcherai prise avec toi. Je retrouverai le goût de vivre sans toi. Je pourrais m'oublier sans toi. Je ne saurais plus rêver. Si tu te donnes tout à moi, je ferai tout pour toi. Si tu me donnes ta main, on ne verra pas la fin. Raconte-moi ton histoire et surtout n'oublie rien. On se fera pas d'accroire, on s'aime déjà trop bien. Avons-nous un futur, c'est à ta voix que je carbure. Parce que pour toi, j'ai envie d'être toujours là. Je chanterai mille mélodies. Je trouverai la clé du paradis. La lune jamais trop haut. Je ferai de toi un cosmonaute. Raconte-moi ton histoire et surtout n'oublie rien. On se fera pas d'accroire, on s'aime déjà trop bien. Avons-nous un futur, c'est à ta voix que je carbure. Parce que pour toi, j'ai envie d'être toujours. Raconte-moi ton histoire et surtout n'oublie rien. On se fera pas d'accroire, on s'aime déjà trop bien. Avons-nous un futur, c'est à ta voix que je carbure. Parce que pour toi, j'ai envie d'être toujours là. Gorgé? C'était Jeff de Shaway. T'es chanceux? Je suis chanceux. Ben oui, on a une belle gourde. On peut partir avec, tu vois? Ben, j'ai amorti depuis tantôt ma gourde. J'espère que je peux partir avec. Garde vrai. OK. Les tempêtes, les pluies battantes, j'ai connu ça, j'ai haï ça. J'ai hurlé après les anges, j'ai sacré pour les faire chier. Mais après l'hiver, vient le printemps, je vais te faire la même promesse que tu m'as fait il y a quelques temps, quand c'était moi qui étais toute qu'un espoir. Ça va aller, ça va passer. Tu vas apprendre à résister au vent qui souffle sur tes châteaux de cartes. Pa-pa-da-da, pa-ya-da-da.
besoin d'être à deux pour mettre une face sur le bonheur. Même si je nous souhaite quand même de matcher nos cœurs, tu vas retrouver ton beau sourire, tu vas apprendre à reconstruire un château qui t'appartient. Mais cette fois, fuck les cartes, veux-tu ben, oh, ça va aller, ça va passer. Y'a plus rien qui peut t'écorcher si tu construis ton château en béton. À chanter, tu dois quand même te demander comment qu'on fait pour se protéger sans complètement s'isoler. J'ai pas la sagesse d'un Bouddha ou encore moins la vérité, mais faut apprendre à mieux s'aimer puis pas attendre qu'un autre le fasse. Ba ba da da ba da 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 ba ya da da ba da 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 da. Puis au pire, on finira avec une coupe de chat. Merci. Ah là là. À la prochaine. La prochaine est nouvelle. Ça fait que je connais pas full mes paroles. C'est moi qui les écris, mais hier soir, je me suis levée et j'ai dit, hey, il faudrait que je change ça. Fait que c'est ça. Mais c'est une très belle chanson. C'est quelqu'un qui s'en va pour se marier, puis son chum la trompe. Fait que voilà. Ça finit bien, pareil. Quittez-vous pas. C'est vrai. Elle enfile sa robe blanche pour prendre une photo. Elle la met en évidence sur la porte du frigo. Il ne devrait pas la voir si ce n'est pas devant l'hôtel. Un peu de malheur pour les menteurs, c'est rien de personnel. Ça débutait comme tous les autres avec le feu au ventre. Promesse, la musique soul, des promesses enivrantes. Pourquoi vieillir si c'est toute seule, elle n'a besoin que de lui. C'est dommage que de son côté, ce n'est pas la seule aussi. Quand on est jeune, tout juste 20 ans, l'amour c'est pour longtemps. Il n'y a pas d'épreuve, pas d'autre plan. Pourquoi si brusquement? Elle surprend celui qu'elle aime en train de tout gâcher. Il venait de la fiancer, il s'est si bien bluffé. Elle brûle sa robe blanche en ne sachant rien. Est-ce qu'un jour elle va trouver ou si c'est tout des chiens? Que les contes lui ont menti, le mérite-t-elle aussi? Le grand amour à partager. Guillaume Muot à la guitare. Elle enfile sa robe blanche pour la deuxième fois. Cette fois-ci, ce sera la bonne, il faut bien qu'elle y croie. Plusieurs années de thérapie lui ont permis de retrouver la confiance qu'un jour peut-être y en aura au moins un d'honnête. Fait qu'elle s'est mariée quand même.
Bravo à elle. Ah, oh, ben oui, on l'a fait, celle-là. Oui, celle-là aussi, c'est pour un ex. Il me demandait tout le temps, tu m'aimes combien sur 10? Puis j'ai fait une toune en son honneur, ça s'appelle 6 sur 10. Tu m'aimes combien sur 10 que je calcule dans ma tête? Si la moyenne est assez bonne pour continuer notre aventure, sais-tu assez un 6? Est-ce qu'on peut se contenter d'avoir la note de passage puis d'appeler ça le grand amour? Sauver parce que j'ai vite compris que j'allais pas te changer. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment ça l'amour. Il faut mieux s'en aller puis arrêter de faker. Pour tout le mal qu'on s'est donné à nager comme des fous pour éviter de se noyer. J'ai fait des sacrifices, je me suis sentie obligée de sauver les miettes d'amour avant qu'elles partent dans le vent. J'ai vite compris que j'allais pas te changer. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment ça l'amour. Faut savoir s'en aller puis arrêter de faker. Ah, et quand tu penseras à moi et nos deux cœurs à la mer, rappelle-toi que je t'ai donné au moins 1000 chances de mieux m'aimer. En partant avant la tempête, je nous ai fait tout un cadeau. Je peux dire avec certitude que ça valait un 10 sur 10. OK. La prochaine. Elle s'appelle « Je pense que tu m'aimes ». Mais ça, c'est quelque chose que tu dis pas à l'autre personne avant qu'elle t'ait dit « Je t'aime ». Ça a l'air un peu prétentieux. Puis ben, la journée où je me le suis fait dire, je dis « On va écrire une belle chanson avec ça, au moins, tant qu'à brailler. » Quand t'es prêt? Que tu m'aimes avec tes petits yeux en dentelle. Quand les matins se lèvent et que tu te colles d'un couvercle et puis que t'en souffles dans mon cou, réveille mieux qu'un café noir. Je pense que tu m'aimes, puis tu peux pas t'empêcher de passer ta main dans mes cheveux. Parce que je suis un peu stressée de la route qu'on a à faire. Je sais qu'on n'est pas pressé. Je pense que tu m'aimes. Oh, oh, oh. Dis-moi, suis-tu dans le champ de penser que tu m'aimes vraiment? T'es pas là juste pour coller les craques d'un cœur rapiécé. T'es l'œuvre d'une plus grande vérité.
Je pense que tu m'aimes, mais t'es pas obligé de le dire. Continue à m'embrasser, puis de rire de mes maladresses. T'as pas idée comme t'es beau quand tu me donnes ton sourire. Je pense que tu m'aimes, même si t'oses pas te l'avouer. Puis tu garoches ça sur moi parce que je peux pas te le cacher. Quand je sens mon cœur s'emmêler à force de trop se serrer, je pense que tu m'aimes. De penser que tu m'aimes vraiment. T'es pas là juste pour coller les craques d'un cœur rapiécé. T'es l'œuvre d'une plus grande vérité. Dis-moi, suis-tu dans le champ? J'ai envie de le dire maintenant. C'est pas tous les jours qu'on trouve ça, un amour de ce format-là. Ça me chavire, mais j'ai pas peur. Que tu m'aimes, et puis je pense que moi aussi. Mais je vais te dire en silence, à travers tous mes soupirs, pour ne pas te faire fuir. Merci. Merci. Merci de cette dernière. La prochaine. Ça s'appelle les papillons, parce que c'est ça qu'on a dans le ventre quand on est en amour. Mais des fois, ils partent. Fuck. Ça sort. Je suis super négative. Mais non, c'est pas l'amour. Ça va super avec mon chum. Mais c'est pas lui, mon chum. Non. Non. C'est plate, hein? On serait cute ensemble, mais il a jamais voulu de moi. C'est ta faute, et puis c'est non. OK, ouais, fallait que je commence à chanter aussi, ouais, hein? Ouais, c'était là. Ça, j'ai ri, il y a quelqu'un qui a dit c'est chien, puis ça m'a comme... C'est chien, mais c'est drôle. Ça, ouais. OK, okay. On repart ça pour vrai. Ouais, ouais. Sérieux? C'est ta faute, et puis c'est la mienne. Si les papillons sont pas restés, parce que tout le monde sait qu'il faut les laisser s'envoler. C'est pas éternel ce qui se passe en dedans. Si tu savais comme je m'en veux maintenant. J'ai pas été game, pas assez tough. Je pensais pas je pouvais être enough. Y'a eu les premiers temps où j'étais pas bien stable. Émotionnellement, c'était pas bien mieux. Quelques années plus tard, je m'ennuie pareil, nos rails de char. Je t'ai déjà dit que t'es pas mal le seul qui m'a compris. Tu réussissais à enlever le poids que j'accumulais au fil des mois. C'est ta faute et puis c'est la mienne. Si les papillons sont pas restés, parce que tout le monde sait qu'il faut les laisser s'envoler. C'est pas éternel ce qui se passe en dedans. Si tu savais comme je m'en veux maintenant. J'ai pas été game, pas assez tough. Je pensais pas je pouvais être enough. J'abuse des mots et de la musique. J'ai promis de plus t'achaler. Mais c'est la seule chose qui me reste. Ça pis les likes que je te laisse. Veux-tu bien me dire ce qui nous a pris de scraper un après l'autre les papillons de nos envies? C'est ta faute et puis c'est la mienne. Si les papillons sont pas restés, parce que tout le monde sait qu'il faut les laisser s'envoler. C'est pas éternel ce qui se passe en dedans. Si tu savais comme je m'en veux maintenant. J'ai pas été game, pas assez tough. Je pensais pas je pouvais être enough.
Merci. Comme on ne nous dit pas que c'est la fin, à moins que tu aies vu un signe que c'était la fin, de ce qu'on a hâte quand même de savoir qui remporte les prix ce soir, mais c'est pas le temps encore. Qu'on vous en fait une autre. On va y aller avec un petit cover cette fois-ci. Ben oui. Une toune de Jean Leloup, vous allez pouvoir entendre encore plus la belle voix de Guillaume. Aujourd'hui, la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde, check les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter tant qu'il y aura des rivières. Nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter tant qu'il y aura des rivières. Nous pourrons nous baigner et que plus jamais rien ne redoute d'autre destin que celui du doute. Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto et ce jour sur cette plage du lac Ontario. Adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'aimais et je t'assure que c'est la fin. Mal à tirer de vivre des taches de vin sur ta chemise qui a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, blâmant le manque, la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu me menaces de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la porte, car tu sais que plus rien ne m'importe. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'aimais et je t'assure que c'est la fin. Pouvoir enfin me dire que tu veux bien qu'on reste amis. Non, c'est gentil, ça va comme ça, des amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les heures. Moi, je me lève et toi, tu me menaces de partir
parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la porte, car tu sais que plus rien ne m'importe. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'aimais, je t'assure que c'est la fin. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'aimais et je t'assure que c'est la fin. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne chance à tous les participants de ce soir. Et merci encore à vous d'être là. Pour eux, c'est très précieux. Bonne fin de soirée. Merci Cathy Bertombe-Lafrenière. Cathy Bertombe-Cathy. Je suis désolé, c'est la troisième fois que je l'articule mal. Je suis vraiment désolé. C'est maintenant le moment des remises des prix et du dévoilement des résultats de la soirée. Avant de débuter, j'invite tous les participants à nous rejoindre sur la scène et pour une dernière fois, une bonne main d'applaudissements pour... Catherine Dufresne! Félix Dubé! Jérémy Galland! Christopher Martin! Éric Lessard, Kéran Lorrain, Louis-Pierre Doiron, Théa Nyan, Casey Gélina, Félix-Antoine Vautour, Anthony Prémont, Chami Thibaudeau-Bellan, Laurent Perrault et Coralie Doucet. J'appelle maintenant Julie Cossette, porte-parole du jury, à monter sur scène pour nous annoncer les récipiendaires. Bonsoir. Je peux l'arranger un petit peu. OK. Alors, bonsoir à tous, public. Nous, on était 5 jurés et on devait délibérer de qui allait gagner, remporter les prix. Et c'était très difficile. Alors, je vais m'en tenir à mon texte le plus possible parce que c'est pas... c'est un peu gênant, là. Vraiment. Il y a beaucoup de talent ici. Alors, voilà. Je vais d'abord procéder à la remise des paires de billets pour le spectacle de Virginie Fortin, le 9 décembre. Gracieuseté de Culture Shawinigan. Le tirage a été fait pendant la délibération, pendant qu'on était en train de délibérer. Et puis, c'est Simon Cormier là, qui s'est occupé de ça. Et je l'invite d'ailleurs à me rejoindre. Voilà. Les gagnants vont pouvoir réclamer leur billet à la fin, à la sortie, dans le mail, là, là-bas. Alors, les 6 gagnants sont Anthony Prémont, Éric Lessard, et puis vous allez pouvoir les avoir à la fin, là, Laurent Perrault, et puis, il y a aussi 3 personnes dans la salle parmi vous. Les billets de vestiaire que vous avez, là, vous pouvez regarder. Nous avons le numéro 208, le numéro 229, le numéro 210. Donc, 208, 229, 210. Fait que vous essayerez de trouver ce monsieur-là pour récupérer vos billets. Virginie Fortin, c'est vraiment un bon spectacle, hein, en passant.
Vous êtes chanceux? Oh, encore les numéros. Pas de problème, je vous refais ça. 208, 229, puis 210. Let's go! OK. Alors maintenant, j'appellerai Mme Kelly Nobert et Mme Camille Plamondon, respectivement vice-présidente et secrétaire de l'Association générale des étudiants et étudiants du Cégep de Shawinigan, pour remettre les trois bourses aux bénévoles d'une valeur de 50 $ chacune. Les gagnants ont été déterminés au hasard et les récipiendaires sont Olivier Gravel, Aurélien Vincent, Maëlle O'Haro. Alors, trois personnes, Olivier Gravel, Aurélien Vincent et Maëlle O'Haro. Bravo! Donc, ce sont les bénévoles qui ont contribué au spectacle. On va prendre une photo. Puis je vous garde sur scène, mesdames Nobert et Plamondon. Je vous garde sur scène, mesdames, parce que nous allons remettre un autre prix. C'est maintenant le temps du prix coup de cœur. OK? Alors, cette année, on a pris ex aequo. Alors, on a... qui est-ce? Félix Dubé. La guitare. La guitare électrique. Et on a aussi le duo Kéran Loret et Louis-Pierre Doiron. Beaucoup d'amour! Alors maintenant, c'est rendu le moment du... Merci. Merci, mesdames. Ça va être... On va s'arranger pour couper le prix en deux, puis... Non, ils vont faire quelque chose, là. Et maintenant, j'inviterai Mme Julie Gagnon, présidente de l'Association des parents du cégep de Shawinigan, à venir remettre le prix de 200 $ pour la troisième position. Madame Gagnon. Alors... pour sa compo originale, pour aussi son interprétation puissante, on a remis le premier prix à Kéran Loret. Le troisième prix, excusez-moi. Hey, pardon. C'est énervant. Désolée, troisième prix, c'est pas le premier. Je suis vraiment désolée. Troisième prix. Je pense qu'ils ne me reprendront pas l'année prochaine. Fait que je vais continuer pareil. Alors, maintenant, je demanderai... Bien, merci, Mme Gagnon. Et je demanderai à Philippe Brunel, représentant de la Fondation du Cégep de Shawinigan, qui va venir remettre le deuxième prix. Bonjour, M. Brunel. Alors, pour sa qualité vocale... et sa présence sur scène, nous remettons le deuxième prix à Shani Thibodeau-Bellan, qui était accompagnée d'Éric Lessard. Bon.
Merci, M. Brunel. Et maintenant, vous êtes prêts? Le premier prix, le vrai premier prix. Je vais demander à Mme Stéphanie Gamache, coordonnatrice à la médiation culturelle. Elle va venir remettre... Elle remet le prix au nom de Culture Shawinigan. Et c'est un prix d'une valeur de 400 $. Et le finaliste, qui va aller représenter le cégep de Shawinigan à la finale régionale, est, bon, pour son originalité, l'originalité de son concept, la qualité de sa création, de son processus et son aisance scénique, le premier prix revient à Laurent Perrault. Madame Gamache, merci. Félicitations à tous les concurrents, puis bonne poursuite de votre art, parce que vous avez vraiment beaucoup de talent. Merci beaucoup, Madame Cossette. Alors, félicitations à Laurent Perrault qui représentera le cégep de Shawinigan à notre finale régionale en mars prochain! C'est ce qui met fin à Cégep en spectacle. Merci encore une fois d'être venu. Juste avant de partir, je vous invite à aller féliciter les artistes au mail. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à l'année prochaine! Même quand ça va bien, on cherche mieux. Ça m'arrive parfois de me demander qu'est-ce que l'avenir.